bouger encore un peu avec une petite vidéo J'image d'or. Je vous propose de commencer à marcher en bougeant les bras, en bougeant les jambes. Vous mettez un peu de rythme, vous commencez tout de suite à marcher et on lève les jambes. Super. Allez, on monte bien les genoux, on bouge bien les bras, on met un petit peu de rythme. Ça peut aussi, si jamais, se faire assis, si vous préférez. Allez, génial. On y va, on est parti pour 10-15 minutes d'exercice. En route, en marche, on bouge les bras. Bien. Allez, on relâche les mains, on continue à monter les genoux. Super. Le dos bien droit, on se redresse bien, on bouge les genoux. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On rajoute, on ouvre les bras, on redescend. On souffle, on ouvre les bras, on redescend. Allez. On garde le rythme, on garde les genoux hauts. Super. Bien. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et on garde ses bras de côté, petit cercle. Allez, super. On continue à monter ses genoux. Ça fait un peu de bruit, j'espère que vous m'entendez quand même bien. On continue, on roule les bras. Excellent. 5, 4, 3, 2, 1, plus grand cercle. On continue. Allez, super. On roule ses bras, on continue à garder ses genoux hauts. Encore, encore. Allez. 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Ok, on garde ses genoux en route. On bouge un peu, on fait semblant qu'on fait un grand jogging. Allez, les bras, les jambes, on bouge. Encore. On accélère. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Bien. Main droite, genou gauche. On monte, on souffle. On inspire, on redescend. On touche à chaque fois genou opposé. Il y a une petite partie d'équilibre. Donc si ça va, montez bien ce genou. Si c'est plus difficile, faites juste semblant de toucher et montez un peu moins haut ses genoux. Donc deux variantes. Mettez-vous pas en danger, c'est ce qui compte. Allez. On souffle, on inspire. Cinq. 4, 3, 2, 1, et on relâche, ok, on repart, on stabilise un peu les jambes, on les pose, on balance les bras, allez, les bras qui balancent, et tout de suite on va balancer aussi avec les épaules, attention au déséquilibre que ça peut créer, on balance, bien, allez, on va chercher loin devant, loin derrière, les épaules toujours bien relâchées. Et là, le ventre serré. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Deux en même temps. On balance en avant, en arrière. Là aussi, on serre le ventre. On ne se laisse pas emporter en arrière. On peut aussi s'accroupir, enfin descendre un tout petit peu sur nos genoux pour rester dans une position bien fixe, bien stable. C'est aussi possible de décaler les pieds si vous vous sentez plus en sécurité. 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Bien. On reprend un petit peu les jambes. Ok. On va monter les mains comme si on faisait des triceps, des biceps, pardon. Et pour ceux qui ont l'habitude, c'est l'exercice des biceps dans l'eau à la piscine. Donc, les coudes vont rester fixes et on monte les bras. Les avant-bras uniquement bougent car le haut des bras, là, cette partie reste fixe et les épaules, elles, restent basses. On bouge les bras, on continue à marcher sur place. 5, 4, 3, 2, 1 et on alterne.
continuer à marcher. Si tout d'un coup vous vous sentez fatigué, vous le faites simplement à l'arrêt. Allez, encore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et top. Ok, suite de l'exercice. On monte, on pousse vers le ciel, on redescend vers ses biceps. Donc, premier mouvement, mouvement de biceps, puis pousser vers le ciel en soufflant. On inspire à la descente, on souffle à la montée. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Bien, ok, un petit exercice de coordination parce qu'il ne faut pas oublier de travailler sa coordination, ça fait partie du travail aussi de la tête. On part avec un bras sur le côté. Un bras, ceux qui ont l'aquagym avec moi, vous avez un peu l'habitude, donc normalement ça devrait être facile. Un bras de côté, et avec l'autre bras, on va devant, de côté. Attention, il y a un bras qui reste toujours sur le côté, l'autre bras devant, sur le côté. Allez, coordination. Et si c'est possible, on fait ça aussi en marchant. Donc là, j'ai des petits pas, je marche. Je peux aussi faire ça en stabilisant. À vous de choisir, en restant sur place. On travaille cette coordination. Ok ? Celui-là, il est assez facile. On relâche, on change de bras. De l'autre côté, on ouvre et on ferme ce bras. Un exercice tout simple, sans aller jusqu'à bloquer l'articulation. Hein. Juste petit mouvement de va-et-vient sur les côtés. Et de nouveau, on rajoute le bras devant, de côté. Devant, de côté. Un bon exercice pour la coordination. Allez, encore. Tous ces exercices, oula, tous ces exercices de coordination, vous pouvez aussi les accélérer pour voir si vous les avez bien maîtrisés. Ça, c'est le test pour savoir si la coordination est acquise ou pas. C'est changer un petit peu le rythme. Donc, n'hésitez pas à accélérer. Et on relâche. Vous voyez, on est un petit peu essoufflé, on bouge le haut du corps. Si vous êtes en train de marcher, vous bougez aussi un petit peu le bas du corps. Donc, ces simples exercices de coordination peuvent déjà vous faire travailler pas mal. J'en fais un deuxième plus compliqué. On reprend le bras, un rond, ok? Un rond avec un bras, un cercle devant vous. Et avec l'autre, de nouveau, de côté, devant, de côté, devant. Allez, on reste concentré, on n'oublie pas son cercle. Il est vraiment pas facile celui-là. Essayez de le faire. Allez, 3, 2, 1. 1, et on relâche, de l'autre côté, de nouveau, cercle, allez, et une fois que vous êtes prêt, on rajoute le, oulalalala, le côté, allez, cercle, de côté, devant, de côté avec l'autre bras, ok, allez, bien, 3, 2, 1, et on relâche. Sur la fin, je me suis un peu emmêlée. J'avoue que ça se travaille. Il faut le faire plusieurs fois. N'hésitez pas à recommencer. Ok. Toujours un peu de coordination. On balance les bras. 1, 2, 3. Avec les bras opposés. Et ensuite, 1, 2, 3. Avec les bras parallèles. Et on repart. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on repart. 1, 2, 3. Et on reprend, 1, 2, 3, on relâche. On reste les pieds fixes, on descend un petit peu en squat, on repart en balançant ses bras. Ok ? Balancez les bras et tous les deux, on va taper le mur. 1, 1, 100, deuxième on retape. 1, 100, on retape. Allez, 1 sur 2. Chauffer les jambes. On peut compter aussi hein, si vous préférez 1, 2, 1, 2, 1, 2 et on garde cette position de ce léger squat pendant qu'on fait cet exercice. Ça travaille un peu la tête, ça peut vous emmêler un peu les pinceaux, c'est pas très grave, essayez de recommencer comme là par exemple. Et top, on relâche. Bien, on reprend la petite marche.
les genoux haut. Et par exemple, maintenant, je vais rajouter de nouveau les mains qui tapent. Pour moi, je vais décider qu'à chaque fois que je pose le pied droit, je vais taper dans les mains. Je monte un peu plus haut les genoux pour que ce soit plus facile. Donc la droite, droite, droite. Je ralentis un peu le rythme. Et une fois que c'est maîtrisé, vous faites ça un peu plus rapidement. Si c'est trop dur, vous repartez lentement. Si c'est trop dur, vous diminuez encore. Et après, vous vous amusez avec ça, en essayant d'accélérer. Peut-être même d'aller jusqu'à accélérer vraiment très très vite si vous êtes tout le temps en train d'accélérer les jambes. 5, 4, 3, 2, 1, et top. Ok, on relâche. Je vous laisse travailler un peu ces exercices. Vous pouvez les faire dans votre journée, à n'importe quel moment. Ok, super. On pose les pieds au sol. On descend les bras. On descend les jambes. Et on avance les bras, pardon. On souffle, on descend. On inspire, on remonte. Squat normal. On souffle, on descend. On inspire, on remonte. Sur le côté, on souffle, on descend. On inspire, on remonte. On chauffe un peu les cuisses. Allez, super. Encore. Allez, bien. Encore 5. 3. 2. On va toucher chaque doigt. Chaque doigt va toucher avec le pouce à l'aller et au retour. On fait ça en marchant. Un peu de coordination des doigts. Parfait. Vous pouvez faire ça aussi en bas. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. De nouveau, faire deux choses en même temps fait aussi de la coordination, c'est ce qu'on appelle de la double tâche. C'est pas forcément facile, donc n'hésitez pas à vous entraîner en dissociant les deux. Allez, dernier petit exercice pour la route. On repart avec notre squat, mais cette fois on monte les bras comme on a fait au début avec ses biceps. Donc que les avant-bras qui bougent, qui montent pendant que les jambes, elles, descendent. On est toujours avec notre squat où on descend bien. Les fessiers, les genoux ne dépassent pas la pointe de pied. On souffle, on descend, on inspire, on remonte. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Bien, voilà quelques exercices tout simples, tout basiques, que vous pouvez faire plusieurs fois de différentes manières. Pour travailler un peu votre corps tout entier, aussi cette histoire de coordination qui est importante. En tout cas, moi je me réjouis beaucoup de vous retrouver, tout bientôt j'espère. Profitez bien et à bientôt!